Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un plugin pour créer des planètes en 3D extrêmement facilement. Ce plugin a été développé par la compagnie Video Copilot. Video Copilot, si tu ne connais pas, c'est le site pour apprendre les effets spéciaux. Le site comporte plus d'une centaine de tutoriels qui vont des tutoriels les plus simples jusqu'aux plus complexes. Je pense que toutes les personnes de ma génération qui ont commencé les effets spéciaux connaissent forcément Video Copilot parce que il nous a tous appris au moins quelque chose. Donc si tu veux apprendre les effets spéciaux, je t'invite vraiment à aller voir ce site, je te mets le lien dans la description. Ce site a été créé par Andrew Kramer. Andrew Kramer, c'est comme si, tu vois, les catholiques, ils ont Dieu et Jésus, eh bien les effets spéciaux, ils ont Andrew Kramer. Blague à part, Andrew Kramer est vraiment un des piliers du milieu des effets spéciaux, car il a pu, avec des tutoriels assez simples, pouvoir vulgariser et montrer au monde ce que c'est les effets spéciaux, et c'est ce qui a fait un petit peu sa popularité. Il a développé au cours des années des logiciels qui ont été des game changers dans les effets spéciaux. Et en plus, il a travaillé sur des films comme Star Trek et Star Wars, donc ce sont des films assez potentiellement HD, tu vois. Maintenant qu'on a présenté le monsieur et la compagnie qui font ce plugin, parlons un petit peu plus de la technique. Ce plugin est un plugin gratuit pour Adobe After Effects. Et qu'est-ce qu'il va faire ce plugin? Eh bien tout simplement, il va vous permettre de créer des sphères. Non, vraiment, sans déconner, ça va vous permettre de faire des sphères, mais ensuite de pouvoir ajouter plein d'options dessus. Donc ces options seront des options, on va dire, de valeur physique, comme les reflets, le relief, l'illumination. Donc commençons par analyser un petit peu le plugin. Tout d'abord, vous allez devoir importer vos textures. Et ces textures, vous pouvez les trouver sur le net, sur des sites comme Solar System Scope, qui est un site qui regroupe plein de textures de planètes gratuites, même de soleil et même d'étoiles. Donc je t'invite vraiment à aller voir ce site, encore une fois, le lien et dans la description. Une fois que tu auras chargé ces images donc dans la diffuse, dans la glossiness et dans le bump, il va falloir régler un petit peu les paramètres physiques, donc comme le glossiness. Le glossiness et le specular sont un petit peu les reflets de votre planète. Il va falloir jouer donc avec ces paramètres physiques pour avoir un résultat qui vous convient le mieux en termes de planète. Ensuite, il va falloir éclairer votre planète. Et tout simplement, je vous conseille d'utiliser une lumière parallèle. C'est la lumière qui se rapproche le plus du soleil. Ça va vous créer vraiment une lumière qui va taper votre planète Terre et avoir vraiment une ombre marquée comme dans la réalité. Ensuite, il y aura un paramètre que j'adore, c'est l'illumination. Prenons par exemple la planète Terre dans mon intro. J'ai utilisé une passe d'illumination, donc c'est une passe avec juste les endroits qui vont émettre de la lumière. Et ensuite, dans les paramètres d'illumination, j'ai augmenté l'intensité de l'illumination pour avoir la ville qui ressorte un petit peu et qui crée donc cette lumière super cool. Ensuite, un autre petit tips pour créer cette aura qu'il y a autour de ma planète, donc c'est l'atmosphère. J'ai tout simplement créé un nouveau calque de orbe et j'ai mis l'illumination à 100% en enlevant toutes les textures. Ensuite, j'ai utilisé le réglage Fresnel. Le Fresnel, c'est quoi? Ça va être tout simplement l'endroit où va se situer notre aura. Donc moi, j'ai réglé le Fresnel pour qu'il soit un petit peu sur les bords. J'ai passé le calque en mode écran et j'ai rajouté par-dessus un effet appelé JAE Real Glow. Real Glow, c'est un petit peu mon effet phare, je m'en sers absolument partout. Et ça va vous permettre d'avoir une lueur un petit peu qui sorte de cette aura. Ensuite, comment créer des nuages avec ce plugin? Eh bien, tout simplement, vous allez faire une copie de votre planète et vous allez enlever toutes les textures. Ensuite, vous allez importer votre texture de nuage et vous allez lui attribuer un effet qui s'appelle Unmult de Red Giant. Qu'est-ce que ça va faire cet effet? Ça va tout simplement enlever toutes les zones qu'on veut pas, ça veut dire toutes les zones noires. Et ça va conserver donc les nuages. Une fois que vous avez importé votre nuage en transparence dans votre logiciel, vous allez avoir donc les nuages qui apparaissent. Mais pour donner un petit peu plus de réalisme à ces nuages, je vous invite à augmenter la taille de votre planète et ensuite tout simplement de éroder les bords grâce à la fonction érode qu'il y a dans le plugin Orb. Ça va vous permettre, si vous avez un mouvement par exemple de caméra, de voir le calque des nuages se déplacer plus vite ou moins vite que votre planète. On appelle ça l'effet parallaxe. Si vous regardez, votre main de devant ira plus vite que votre main de derrière. C'est l'effet parallaxe. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu des conseils pour avoir une petite touche un peu plus stylée à votre planète. Si vous créez un calque d'effet tout au-dessus de tous vos layers et que vous rajoutez un effet de flou radial en zoom et que vous passez votre calque d'effet en mode écran et que vous intensifiez donc cet effet-là, vous allez voir des espèces de petits god rays apparaître sur les bords de votre planète et aux endroits où il y a le plus de lumière. Donc ça va créer un petit peu des effets de god rays qui dépassent un petit peu de votre planète et ça va donner vraiment quelque chose de très cool à votre planète. Ensuite, le deuxième petit tip, ça va être de créer une lueur quelque part dans votre composition pour créer donc une sorte de source de lumière qui est très loin. Pour ce faire, j'ai utilisé le plugin Optical Flare, encore une fois de Video Copilot, et j'ai tout simplement créé une lumière diffuse et je l'ai positionnée en haut de l'écran pour donner donc cet effet-là un petit peu d'aura et ça rajoute vraiment quelque chose. Ensuite, prenons l'exemple de l'éclipse qu'il y a dans mon intro. Vous voyez qu'autour, il y a des sortes d'espèces d'énergie qui sont émises donc de cette éclipse. Pour ce faire, j'ai utilisé le pack Cosmobox de Andy Dominique Rack. Et tout
simplement, c'est un pack qui regroupe plein d'objets et de textures 3D spéciales pour l'espace. Donc je t'invite vraiment à les voir, surtout qu'il est gratuit. Pour ma part, pour ces éclipses, j'ai utilisé des espèces de fractales, des espèces d'énergie que j'ai placées en mode écran derrière ma planète pour avoir donc ces espèces d'effets d'énergie. Voilà, maintenant tu sais un petit peu comment utiliser le plugin Orb. Je t'invite à aller sur le site tuto.com. Il y a un formateur qui vient de sortir un tutoriel d'une heure et complètement gratuit sur ce plugin. Aussi, si vous voulez voir un petit peu plus de travaux 3D à moi, je vous invite à aller sur Instagram, c'est atom-du8visual. Je poste tous les jours une image de 3D et ça peut vous donner de l'inspiration ou tout simplement, ça peut tout simplement vous divertir au cours d'une journée. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Atom. Ciao.